Ah merde, non mais merde, ouais, si ça se trouve, il regarde le stream. Non, non, je vous dirai rien en fait. Je vous dirai. Si, je vous dirai, mais sur Discord. Voilà. Sait-on jamais. Non mais. On parle de brunch. Brunch. C'est où le parc? Attends, j'ai cru voir un D4. Attends, mais il est où le. Non mais je comprends pas, il est où le parking des vieilles charrues? Il me faut un tunnel à Décathlon. Oh non, Acadavie, le mauvais geste. Enfin si, le beau geste, mais... Bon bah c'est pas grave, je te paye ton sub le mois prochain. Qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, il a rien fait, J'aimerais savoir où se trouve le T4 parce que je cherche un tunnel. Déjà monsieur... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'arrête? Bah, pourquoi en fait, quand j'avance, vous tournez en plus le moment? C'est dangereux ça. Monsieur, attendez, monsieur l'officier. Non, écoute-moi là. Tu peux régler ta gorge profonde parce que là je m'entends en toi quoi. Mais c'est vrai qu'on s'entend en fait. Ouais, écarte-toi s'il te plaît, ouais. Merci Grutix qui s'est abonné. Monsieur. Et merci, merci. Vous cherchez quoi? Alors, je sais pas, j'ai l'impression que votre collègue, il me cherche des noises, là. Il cherche le biocop. Non, le biocop. Ouais, on m'a dit qu'il y avait apparemment une promotion en tête de gondole sur le tofu. Bah, le biocop. Alors, vous voyez? Et pourquoi j'ai affaire à des gilets jaunes? Je voulais parler à des officiers de police, quoi. Ouais, pas à des prolos. Vous êtes pauvres ou quoi, les mecs? Non, mais sérieux, vous êtes là pour faire du cosplay? Si c'est ça, pour se foutre de ma gueule, quoi. Non mais sérieux. En alors, plus, moi, outrage je suis à l'agent. Mais rien à voir, les gars. Vous vous calmez, monsieur? Je veux bien me calmer, mais là j'ai un ticket resto là pour le biocop. Faut bien ouais, bah allez-y. Eh ben y a pas de biocop ici, allez, au revoir. Bon, allez circuler quoi, mais non mais sérieux. Non mais j'avais dit glu. On avait dit cause, mais c'est complètement glucose quand prends tu dis. Prends ton scooter et tu t'en vas. Bon, vas-y, je vais passer mon BSR, mais j'ai affaire à un vrai troufion, quoi. Putain, mais sans déconner, quoi. Ah, parce que... Allez, hop, on sort. Pardon, attends. Deux, qu'est-ce voilà. Qu'est-ce qui se passe, l'agent? Vous prenez un autre trajet agent. Je vous mets une amende, hein. Hop, je vous la donne dans la main. Attendez, non, mais sérieux, vous êtes que attendez, je suis en train de l'écrire, attendez. Hop. T'es mexicain, c'est pas possible, quoi. Et mais voilà, c'est bon, c'est envoyé. Vous avez 24 heures pour la payer au bout des 24 heures si vous l'avez. Non, mais ton amende, j'en ai rien à foutre. Attends, moi je suis contre le papier là. Tu viens de me mettre un papier dans ma poche. Ouais, et vous êtes pas contre le scooter par exemple. Non, mais moi je suis complètement écolo quoi. Donc ton papier, ouais. Tu peux te le foutre dans le cul, ça te fera un tampon, tiens. Tu penseras à ta mère. Ah bah d'accord. Tu sors du véhicule maintenant. Ah, putain, j'ai des poignets cassés, merde. Ouais, mais tu sors du véhicule. Voilà. Tu te mets contre la voiture de police? Ouais, très bien. Je vois pas ce que j'ai fait, mais bon... Non, à part deux outrages à agent, t'as rien fait. Monsieur, votre véhicule, il est pas d'éthanol, je suppose. Vous êtes en train de polluer, ça fait des gaz. Non, non, il est électrique. Ouais, c'est ça, tu te fous de ma gueule. Attends, je vais regarder s'il y a un pot d'échappement. Attends, j'ai l'impression d'avoir... Tu restes là. Ok. Écarte-toi, attention. Ok, il y a un pot d'échappement, j'ai l'impression que t'es sacrément con, quoi. Parce que un véhicule électrique... Encore un outrage à agent, monsieur? Non, j'ai pas dit ça. Parce que la prochaine fois... Les gars, je vais vous dire que t'étais un incompréhensible, quoi. Bon monsieur, vous voulez que je vous laisse vos droits ou que vous reprenez votre scooter qui pollue autant que notre voiture et vous barrez? Est-ce que tu peux configurer ta gorge profonde parce que tout à l'heure tu pètes les oreilles? Il n'a pas de problème, c'est juste vos oreilles de... C'est ton cerveau là. Je vais enculer parce que attends. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux que je te laisse tes droits et que je t'emmène en cellule ou est-ce que tu veux prendre ton scooter qui pollue et que mon tu scooter ne pollue pas quoi, c'est un étalol, c'est Jean-Eude qui me l'a configuré quoi, qui m'a mis un petit setup quoi. Ok, et bah Jean-Eude... Il va reprendre son scooter et puis il va s'en aller, d'accord? Par contre, Jean-Michel HRP, ça te parle ou quoi, fils de? Je suis en train de te lire ma scène, t'es en train de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure, quoi. Non mais sans déconner, quoi, c'est complètement glucose que je vois. Tu sais, vous êtes bête ou pas? Non, rien à voir. Vous le faites exprès. Hein. Ouais, on y va. Bon, on y va, vas-y. Bah, de toute façon, je suis un avocat, quoi. Je demandais à tonton Daniel. D'accord, c'est bien, d'accord. Bon, et par contre, ma mobilette, je la prends, je vous suis, c'est bon. Je vous suis. Bah, pourquoi donc tu veux qu'on t'embarque? Pourquoi tu piles quoi? Attends, on a dit... Attends, on avait dit merde, on avait dit chier. On a dit putain, mais putain, tu fais chier la merde. Je suis en train de vous suivre pour aller au commissariat quoi. On avait dit quoi? Mais non, on va pas au commissariat. Ah, vous changez d'avis, donc les mecs ils tiennent pas leur... Ok. Ce qu'ils viennent faire là, les gars.
Non, pour l'instant, on n'est pas sur ça, les gars. Laissez-moi évoluer. Je vous dirai quand il faudra venir, pas maintenant. Merci, Felward. Je vais te fourrer mes tiges de soja dans la nuit. Merci, Gritty. Et merci dans le Canada. Another one. Gotez au Grimjo, les gars. Demandez pas le serve à chaque fois, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez passer absolument à la télé, quoi? On va aller boire un drink au Café Beaubourg. Ouais, bah, tu vois, j'ai vu une exposition, là. Ouais, Georges Pompidou. Ouais. Bah, attention, t'y vas parce que t'as une promotion. Juste à côté, t'as un bar, la bonne ambiance, en happy hour. Et des tapas, si tu veux. Ouais, totalement vegan. Ouais. Attends, je vais voir si j'ai le dernier CD. Christine and the Queen, c'est vraiment une artiste fabuleuse, quoi. La seule personne qui pourrait venir à la limite avec moi m'accompagner, c'est s'il peut me donner les infos pour faire les scènes RP, s'il est admin du serve. Et qui peut me dire, voilà, Riri, ils sont là, vas-y, va faire tes scènes. Pour que, comme ça, je gagne du temps. Emmène-moi au magasin de vêtements. Oula, il y a des racailles, merde. Oh merde. Oula, merde, des racailles, quoi. Putain, fais chier. Emmène-moi au magasin de vêtements, dépêche-toi. Tout ce que vous voulez, quoi. Dépêche-toi. Il te braque. Je te braque avec mon doigt. Les gars, putain, j'ai affaire encore à des arabajois. Je peux appeler un pote, putain, fais chier. Dépêche-toi, emmène-moi au magasin de vêtements en face là. Dépêche-toi. Mais me parle pas comme ça, sérieux. T'es sérieux à me parler? Vas-y, viens. Oh, tu t'es fait bolos. Ah, je me fais agresser, quoi. Ma mobilette, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur la rabat-joie, laissez-moi tranquille. Ma moto. Ah, je me fais agresser. Forcément, ils sont deux vu que c'est des rabat-joie. Ma moto. Mais ma moto. Ma moto. On m'a volé ma moto. Ma moto, les gars. Non mais sérieux, c'est quoi ces racailles? En 1v1, ils font rien, quoi. Non mais sérieux. Tu peux... Ouais, bah demande-lui de le faire à distance, parce que moi, je sais pas, je dois faire le stream. Sérieux, vous l'emporterez pas au paradis? Monte. Ok. Ouais, on va récupérer ma moto, s'il te plaît. Pourquoi il a fait... Pas de moto. Si, on m'a volé mon scooter, quoi, il est à l'éthanol. Ah, il est là, mon scooter, merci, monsieur la le noir. Fais gaffe, on l'a trafiqué. Monsieur le noir, oh, je vais le niquer, lui. Mais tu vas rien faire, de toute façon, moi, je suis blanc, toi, t'es noir, donc c'est quoi le problème? Laisse-moi tranquille. T'as vu commenter, là? Allez, tu t'es fait bolos par ton pote. Allez, hop, marche arrière. Allez. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors ton arme, sérieux? J'ai rien fait. Mais c'est pas un propos raciste. Allez, je me casse. Bah, vas-y, casse-toi, alors, victime. Vas-y, monte. C'est quoi ces victimes? J'ai affaire à une belle bande de tafioles. Allez, vous faire enculer. Je vais me réfugier dans le magasin. Attends, laissez-moi tranquille. Aidez-moi, monsieur le vendeur. Aidez-moi. Je me fais agresser. Tiens, ta grand-mère, tiens, fils de... Bon, bah, on va devoir gérer les choses. Fallait bien que ça commence comme ça. Chuck, t'es là? Je vais dans leur quartier, le temps que je rassemble les troupes. Attends, mais sérieux, le soleil va bientôt se coucher là, mais je me sens trop mal, je me sens sali, quoi. Je me suis fait agresser. Ça me rappelle ce qui s'est passé quand j'étais à Paris, quoi. Attends, mais sérieux. Merci à Thibaut. Merci pour les 13 mois. Attends, je vais voir s'il est là. Parce que s'il est pas là, ça sert à rien, quoi. Parce que sinon, les autres, ils vont bâcler. Ça sert à rien de leur... Ça sert à rien d'amener des gens parce qu'ils vont bâcler les scènes. Faut que je prenne des mecs fiables. Yagi, c'est toi qui es sur le TS? Ah oui, Yagi, tu peux me confirmer que c'est toi? Comme ça, je te mets tes badges. Ok. Tu veux modérer aussi le TS? Alors...
C'est bon, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'aider, les gars. Ok, on va faire comme ça. Merci, Dacré Jinx. On n'est pas tout seul. Ouais, alors, après... bon, j'espère qu'ils ont pas le plugin de merde qui enlève les admins 5M dessus. Mais normalement, je pense qu'il y a moyen... J'attends, il live sur le serveur, on va essayer de les retrouver. Et je vais jouer RP s'ils font de la merde, vraiment. S'ils me butent ou quoi que ce soit... On verra. Déjà, je vais aller porter plainte, les mecs. On va jouer RP. Comme quoi, je me suis fait agresser. Je vais procéder à la description physique. Je vais dire que c'est des Mexicains. Ah, il a augmenté le goal. Ah, oh, c'est beau, ça. Donc, beaucoup plus. Ah non, il a pas augmenté. Ah, oh, je pensais, putain, ça serait été bien qu'il débloque encore le palier. Ok. Mais ok, Abby Junior, tu me tiens au courant. Mais il peut le faire. La dernière fois, il l'a fait... Monsieur, dites-moi, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activités dans cette ville. Mais si, il y en a. Bah ça a l'air désert, hein. Je regarde par là-bas, la personne, je regarde par là-bas, ouais, la personne. Ouais, non mais ça c'est parce que, en fait... Quand les stalkers sont déjà là, quoi. Comment ils font du coronavirus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens enfermés, en fait. D'accord. Donc tout le monde est enfermé, quoi. Ouais, donc... J'allais me confiner aussi. Il y a un problème avec le PPR, au niveau de la LFP. Monsieur, vous êtes l'agent, vous êtes l'officier de police? Le truc, c'est que j'ai passé la visite médicale ce matin. C'est quoi cette voix de chiotte là? C'est un vieux ou quoi qui parle? Oh, tu peux... La voix de chiotte, tu veux que je te la mette dans le cul ou ça se passe comment avec ton scooter de merde? Vous me permets pas de parler comme ça? Attends, je m'adresse à qui là? Je vois pas. Ouais, bah déjà, tu dis pas que j'ai une voix de chiotte parce allez, que sinon, va ton dormir. Scooter, il va aller à la fourrière plus vite. Non, que ta mère. Sérieux, non, mais attends, moi mon scooter il fonctionne à l'éthanol, je pollue pas au moins, contrairement à vous, monsieur. Ah ouais, bah ta gueule elle pollue tout court. Non, mais j'ai l'impression que votre gueule, elle pue la webcam. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me casse. Aïe oh. Qui m'agresse, putain? En noir, en merde. Comme d'habitude, quoi. Ça me casse les couilles, quoi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Calme-toi, Chris. Calme-toi, Chris. Ah non, non, moi, j'aime pas qu'on dise que ma tête, elle pue la webcam et que... Voilà. Bah, attends deux secondes, tu sais quoi? Je vais chercher un mec. Mais sérieux, les gars, je viens de me faire régresser devant un officier de police. Venez, venez. Merci, veuillez m'aider. Mais où je t'ai que un officier de police? Mais parce que toi, t'as besoin d'être à deux pour agresser une personne comme moi, quoi. Non, on m'avait dit complètement glico, c'était complètement starbé. Est-ce que tu peux dégager? Je sais pas ce qui me retient de te cracher à la gueule. Putain, casse-toi. Non, mais vous m'avez agressé en premier, monsieur, avec votre voix. Non, mais casse-toi. Venez. Ouais, venez m'aider, ouais, ok, pardon. Ouais, ok, je vais y aller. Putain, c'est dingue le nombre de connards qu'on peut trouver dans cette ville, quoi. C'est ouf. Attends, ma moto. Ouais. Par contre, le noir là, c'est toi qui as volé ma mobylette? Parce qu'elle était là, juste là. Putain, mais je vais clamer. D'où tu le traites, le noir? J'ai pas dit. Bah, oh, en même temps, je suis blanc, quoi. Putain. Mais on a le droit de faire des couleurs, non? Je crois que lui va faire un tour en GAV, bouge pas. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Monsieur, salut, monsieur l'agent, je me suis fait agresser par une personne de couleur à la zone. Non, je vous assure, monsieur. Il traite Chris de noir. J'ai jamais dit ça, il y a un témoin. La preuve, mon ami est un noir, regardez, il est à côté. Vas-y, confirme. Si, on se connaît. Vas-y, dis-lui, Mouloud. Tu connais? Il s'appelle Mouloud. Pas Mouloud. Alors ça, c'est clairement raciste ce que vous venez de dire. Donc, mais en quoi dire un prénom c'est à consonance? C'est vous qui êtes raciste. Vous êtes en train de juger les gens. Vous les mettez dans des cases, monsieur. Non, mais complètement starbé et glucose. Viens avec moi. Non, mais j'ai pas envie de me faire agresser. Je reste ici. Comme ça, j'ai le policier qui va me défendre. Bah, le policier va te mettre en cellule parce que vu ce que t'as dit. Non, mais déjà, lui, il s'appelle pas Mouloud. C'est mon employé. Non, mais la dernière fois que j'ai croisé une personne avec un QI négatif, c'est une meuf. Elle était caissière à Naturalia. Aïe, monsieur l'agent. Stop. Deux coups, c'est le max. Non mais sa sœur elle est vendeuse à Eram ou quoi pour me parler comme ça? Vas-y, tu sais quoi? Aïe, aidez-moi! Aïe! Ah. Merci 48. Bah j'ai pas avec toi, je vais te taser.
Non. Après, c'est... avec ce perso, j'ai l'impression que c'est plus facile avec des jeunes de les mettre en égo. Et les, 5... et les 51 mois de chat qui tombent. Comment il va le photographe pro? Et merci à TDLC, tout doux le chat. Il mérite vraiment un code B ou non? Ou léger? Merci à Chouchou et merci à Tortue Tordu pour son... Merci les gars, vous déchirez. Merci les gars. Code B, ça mérite vraiment. Attends deux secondes, parce que là je vais faire un support. Ah, c'est bon. Ils m'ont déban. Pas ton dossier ici, ouais, j'aimerais porter plainte contre la personne là, juste devant. Voilà, pourquoi monsieur l'agent, vous voyez, couilles, vous voyez, monsieur, j'aimerais... Suce mes couilles, tu sais quoi, je suis avocat. Je vous ai rien fait, je connais un autre avocat. Je connais un avocat dans cette ville. C'est quel l'autre avocat? Non mais attends deux secondes, j'arrive à peine ici, je voulais aller à un showcase de Christine and the Queen, j'ai le CD, et là je me trouve nez à nez avec une personne de couleur. Et alors je suis saisonnier, et alors je reviens. Bon, t'es sûr? J'ai pas dit sale noir, j'ai dit juste noir, quoi. Non, t'as dit sale noir. Non, excuse-moi, je suis pas raciste, des noirs, la preuve, quand je vais à Champs-Rousses. Je vais te parler chinois là deux secondes, tu sais que c'est passible d'un ban, ce que tu viens de faire, parce que t'es raciste pour rien. Attends, ça veut dire quoi, ban? Ça veut dire quoi, ban? On avait tu dit merde. On avait dit chier. La métropole. On a dit putain, tu fais chier la merde, quoi. Pourquoi tu parles comme ça, gros? Parce que j'ai envie de parler comme ça. Bon, attends, écoute-moi, espèce de con. On va passer en HRP. Écoutez, monsieur. En aucun non, cas, dire qu'une personne est noire ou blanche, c'est raciste. Je sais pas où t'as été éduqué, à mon avis, t'habites certainement à Grenoble, petit con. Donc maintenant, tu baisses d'un ton, on va reprendre la scène. What? Oh, c'est qui ça? Ouais, salut. Oh. Ah bah voilà, il tombe dans les pommes, c'est normal, il est confronté à mon... Wow. Mais c'est qui? C'était qui? S'il vous plaît, c'était un papillon ou c'était vous? Non, c'était lui. C'est lui qui utilise un truc qui a... Par contre, moi j'ai Il va se calmer, Lord Kositi, tu vas te calmer là. Non, juste en chinois, deux secondes, Non, reprends ta voix en chinois. Juste, j'ai compris sale noir. Hein, donc, j'ai jamais dit sale noir. De toute façon, il va témoigner. Monsieur Lotko City, la personne devant moi, le Rastaquer. Est-ce que j'ai dit à un moment où ouais, j'ai dit un sale noir? Rastaquer, c'est pas raciste, peut-être? Bah, les bicots, les Rastaquer. Excuse-moi, j'ai pas été éduqué à Grenoble. Je viens pas de Grenoble. Je viens d'Argenteuil. Je sais pas si tu connais. Donc, des noirs et des blancs, des chinois et des jaunes. Ouais, Argenteuil, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'habites à côté du parc. Espèce de bourge. Je suis sûr que t'es même pas confronté aux cités. C'est possible. Et aux logements sociaux. Mais de quoi tu parles? Mais gros, moi j'habite pas très loin du BHV, je suis pas loin du Marais, quoi. Donc je connais un petit peu la diversité. Toi, t'es homophobe, certainement. Non. Moi, je suis bi. Attends deux secondes. La diversité, je la connais. D'accord? Donc, la diversité à aucun moment, quoi. Parce que tu saurais très bien qu'entre nous, on s'appelle noiro, négro, quoi. Tu le sais très bien quand c'est la famille en cité, ouais. Ouais. Juste. Prends ta voix en HRP. J'achète mes vodka cajou à Lidl. Prends ta voix en HRP, deux secondes. Reprends ta voix en HRP, le 2SPI. Mais pourquoi? De quoi il parle, HRP? Non, mais sérieux, quoi. Non, parce que, genre, ce que tu viens de dire, ok, peut-être que tu conçois que je viens de gros. Ouais, si tu veux, Kevin. C'est-à-dire, on va parler HRP, là. Je t'ai dit, pourquoi tu parles comme ça? Je parle sans... Mais toi, tu parles HRP, tu fais la... je sais faire cette voix-là. Hein. Non, tu fais quoi? Mais comment? Mais putain, arrête ton connerie, toi. Toi, tu vois, t'es raciste, parce que ça, c'est ma vraie voix, je suis noir. C'est ta vraie voix, ça? Oui, c'est ma noix. J'adore que j'utilise le déformateur, là, pour parler normalement, là. D'accord. Donc, je peux pas respirer, tu vas mettre un genou à terre. Ok? Connard que tu es, putain. Laisse-moi jouer tranquille, là. Laisse-moi jouer. Je suis Abidjan, là. Je te laisse jouer. Je vais jouer. Monsieur, comment vous appelez, s'il vous plaît? Je ne peux pas respirer. Par contre, j'ai juste entendu sale noir tout à l'heure. J'ai jamais dit... Monsieur l'agent, j'ai jamais dit ça, là. Il dit de conneries. Je suis moi-même, non? Alors, avec mes... Monsieur, comment je peux dire ça, noir, alors que je suis noir, là?
Mais là, c'est ton RP qui est comme ça. Mais c'est le personnage. Mais voilà, tu l'as dit, c'est le RP qui est comme ça là. Mais je suis pas raciste, la personne qui dirige. Peut-être ton RP qui est raciste, tu vois. Je m'occupe de lui. Alors écoute, l'enfant il t'a dit ferme ton gueule, il va s'occuper de moi là. Allez, dégage là. C'est quoi ça? Attends deux secondes, viens. Tiens ton salon et ta femme là, ton chat il est en train de crier là. Allez, ferme ton gueule. C'est quoi ça? Il fait les RP alors qu'on entend tout chez lui là. De lui, Jean. Viens parler à la police. On va parler à la police là. Viens, viens. Non, est-ce que je le reparle à mon collègue de... Non, mais sérieux quoi? Il se passe quoi ici? J'aimerais savoir. Ils comprennent plus rien. T'es schizophrène toi. Bon, attends, les gars, j'aimerais savoir, il se trouve sur dans quelle avenue le prochain Biocop? Attends deux secondes, viens 48. Monsieur l'agent, vous savez où on peut acheter pour mon petit déjeuner des flocons d'avoine? C'est bon pour le transit. Ouais, ouais, il y en a là-bas. Des fruits secs, fruits cassés, quoi. C'est... 48, est-ce qu'on peut pas... viens à l'Enders aussi, s'il te plaît. Bon, monsieur l'agent, j'aimerais porter plainte contre les deux personnes qui m'ont agressé. Porter plainte? Attendez. Ouais. Venez. Le néo-judas, ouais, lui là. Bah, vous appelez-vous, s'il vous plaît, par contre, pour la... Non, mais 48, viens, s'il te plaît. Vous êtes... De toute façon, vous étiez là, vous avez constaté les dégâts, il m'a agressé. Attends, j'ai besoin de parler à... Non, j'ai besoin, moi, par contre, j'ai juste besoin que tu fermes ta gueule un instant, comme ça, je m'entretiens avec la police. Merci. C'est sûr. Donc, monsieur l'agent... Ah bah voilà, ça rage. Et quelle meilleure chute!